Bonjour tout le monde, ici TVA Nouvelles du soir. Aujourd'hui, voyageons au Cœur des Mines. Aujourd'hui, vous serez accompagnés d'Alicia Potier et de Laurence Paré. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des mines les plus importantes du Québec, la mine du Mont Wright. Cette mine de fer est en marche depuis 1974. Chaque année, elle produit environ 26 millions de tonnes de minerais de fer. Cette mine de fer est située près de Fermont et possède des rizières depuis plus de 30 ans. Cette mine est la plus importante du Québec, mais elle est suivie de près de la mine de Fire Lake. Il existe aussi plusieurs autres mines importantes au Québec, comme la mine du lac Bleu et délimitée du lac Tio. C'était Laurence et Alicia d'une vidéo sur les minéraux. Parlons de minéraux, voici les exemples. Le nickel, le cobalt, le titane, le lithium. De nos jours, les minéraux sont très présents dans notre vie. Ils sont naturellement présents dans les aliments ainsi que dans l'eau minérale. De plus, ils sont dans plusieurs objets que nous avons au quotidien, comme dans des batteries. Dans de l'asphalte. C'est quoi des minéraux? Les minéraux sont une substance solide et inorganique. Ils ont des arrangements réguliers répartitifs d'atomes et de molécules. Si jamais cela t'intéresserait, les gens qui travaillent avec les minéraux sont des minéralogistes. C'était la fin de TVA du soir. Merci d'avoir regardé cette chaîne. Dans le prochain épisode, nous allons aller voir les mines du Québec. Hey, c'était bon cette émission-là? Hey, c'était vraiment bon! Ouais. We'll be right back.